cette cérémonie des Paillards de la 33e édition Festival international du film francophone de Namur. Rebonsoir, rebravo. Bonsoir, bon voilà, merci gentil jury. Je sais pas quoi dire en fait. J'ai cherché à dire des trucs mais j'arrive pas. Non, c'est juste une chose, c'est que j'ai aimé beaucoup votre engagement auprès de Oleg Sentsov. Ça m'a beaucoup touché. J'étais pas là, j'ai pas pu être là, mais je suis venu de loin. Et y a des films, il y a des réalisateurs qui vous font rêver, qui vous donnent le désir du cinéma. Puis il y a des réalisateurs, des films qui donnent le sens à pourquoi vous prenez la caméra. Et je crois que Oleg Sentsov, c'est un de ces réalisateurs-là. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. On n'échappe pas à la photo. Vous pouvez toujours continuer à les applaudir. On arrive à vous, ne laissez pas descendre la pression. Bonsoir, merci beaucoup. Une petite surprise. Oui, il y a une mention spéciale. Je suis très émue parce que maintenant on a avec nous Rudy Pan, qui on a interviewé, ça fait 12 années à Toronto pour la division du Pacifique. Et alors, bonsoir monsieur Pan, et j'ai très très aimé votre film qui est splendide. Est-ce que vous voulez en parler? Vous avez pris quand même 2 prix, regardez. Oui. Et alors, votre film qui est merveilleux, pouvez-vous dire deux mots? Non, c'est, vous savez, c'est un film en même temps très personnel, en même temps c'est un film sur le deuil en fait. Et en même temps, c'est un sujet assez universel, comment faire le deuil, comment trouver ses disparus, comment se reconstruire. C'est un sujet assez qui est à tout le monde. Et ben voilà, je suis très content d'avoir fait ce film. C'est un long cheminement qui a démarré il y a quelques années. Ben voilà, aujourd'hui, le film est fait. Il va faire sa vie, il va s'offrir aux d'autres spectateurs qui vont le regarder, qui vont peut-être s'approprier, réfléchir, et c'est formidable. Je vous aime beaucoup, on vous attendait à Toronto aussi, mais heureusement que vous êtes venu ici à Namur. Et après, qu'est-ce que vous ferez? Vous irez par hasard au Festival de Rome? Non, après, je vais. Je crois que je dois aller à New York. Ah bon? Je dois retourner à New York. Ok. Et après. Est-ce que vous êtes en train de faire un nouveau film? Oui, je suis toujours en train de faire quelque chose en fait. On est toujours impatiente de voir ce que vous allez faire. Oui, c'est compliqué, mais bon. Et alors, merci bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et tout le mieux. Oui, merci. Disons que j'étais mort. Oui, mort. Je baissais les yeux comme à 13 ans. J'avais déjà vu bien des choses que nul ne devrait connaître. Mes mains et mes pieds étaient noirs de poussière ou de cendres dispersées. La mort est un vent qui repose parfois avec une telle douceur. Disons que j'étais mort et j'ai pensé renaître sans y croire, c'est vrai. J'ai pensé rire. J'ai voulu être léger, embrasser l'enfant de l'enfance. Or, il n'y avait que poussière de vent. Il en faut des années pour se perdre. Des nuits, des jours, des larmes, des mots. Et jusqu'à l'oubli du mot douleur, il en faut. Et pour ne pas renaître.